bienvenue chez Redwood Paddle, une nouvelle petite vidéo pour vous présenter la nouvelle starter 10-3. Alors c'est une 10-3 par 33 de large, par 5 pouces d'épaisseur. Donc pourquoi 33 de large? En fait on a décidé de l'élargir un petit peu pour la rendre encore plus facile que la précédente starter. Donc c'est une planche qui va à beaucoup plus de monde, qui peut aller pour tout faire, de la balade évidemment jusqu'au petit surf. On peut emmener un enfant dessus, on peut monter énormément de poids dessus. On est monté, nous, à deux adultes dessus en ramant debout, donc autour de 250 kg. 5 pouces, ça nous permet d'avoir une rigidité accrue, mais en ayant toujours des rails assez fins, contrairement à la 6 pouces, donc ça permet quand même de surfouiller un petit peu. En termes de construction, on est très proche de nos constructions haut de gamme qu'on va retrouver chez Redwood et évidemment dans d'autres marques. On grappille un petit peu en termes de prix sur le sac. Donc le sac est un petit peu plus basique, mais ça reste un très joli sac, un sac tube, sac à dos, enfin qui est vraiment de belle facture avec une belle construction. Et puis on retrouve un aileron à glissière, donc un aileron un petit peu plus simple en termes de construction, mais qu'on trouve dans beaucoup d'autres marques et qui est aussi très très bien. En termes de shape, donc on a voulu faire une planche vraiment vraiment polyvalente. Donc on retrouve un outline proche de la planche de notre 10-6, un mélange de la 10-6 et Pro et de la 10 classique. On retrouve une poutre ici en PVC en plus qui vient donner de la rigidité et un look passe-partout avec du PVC rouge qui ne va pas bouger en couleur et un pads blanc et gris qui pareil ne vont pas bouger en couleur si vous les laissez longtemps au soleil puisque c'est des planches qu'on vend beaucoup aussi à des clubs. Donc voilà, c'est une planche qui sort à 479 € seule. Donc c'est une planche très très haut de gamme à un prix vraiment raisonnable qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut trouver en premier prix et qui on sort en pack aussi avec différentes pagaies, dont la petite pagaie starter à 539 € avec une pagaie 3 parties avec une pale plastique, donc avec une jolie forme avec l'urethane qui protège sur les rails, sur les bords de la pagaie et une pagaie peinte en aluminium qui est en fibre et en carbone. Voilà, évidemment réglable et en 3 parties qui permet de rentrer dans le sac. Donc la planche est évidemment vendue, comme je vous l'ai montré, avec le sac, avec un petit kit de réparation et avec une pompe double action, donc qui permet de gonfler beaucoup plus rapidement que les anciennes pompes, puisqu'on retrouve une pompe qui a cette action de mettre de l'air en tirant et en poussant. En fait, quand vous mettez votre petit bouchon ici, vous mettez de l'air en poussant et en tirant dans les deux sens, et quand on arrive à 12, 13, 14, 15 PSI, ça dépend un petit peu des gens, on enlève le bouchon et là c'est plus qu'en poussant, donc là on arrive à monter vraiment en pression. Donc la pression recommandée c'est 16 PSI minimum, mais vous pouvez monter beaucoup plus si vous montez à 2 ou si vous êtes vraiment très loin. Voilà, donc un très joli pack à 539 €, un vrai stand-up, c'est pas un stand-up premier prix, c'est pas un stand-up cheap, c'est vraiment vraiment une très très bonne planche. Voilà, il n'y a plus qu'à. À bientôt, ciao.